sister, just so you know. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait dans le fond, aujourd'hui comme vidéo, c'est bien assez simple. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener avec moi magasiner. Puis oui, pas n'importe où. J'ai décidé de vous amener magasiner avec moi en friperie. Parce qu'on va s'entendre, j'ai une fille qui trip intense, mais genre un petit peu assez pas mal, beaucoup trop, c'est friperie. Fait que j'étais comme, c'est sûr, je les amène en friperie, c'est clair, à 110 000%. Puis ben, c'est aujourd'hui que je fais ça. Puis ben, c'est... Pis ben, c'est bien assez spécial parce que aujourd'hui, je suis en Floride. Pis ben, je vous amène à magasiner avec moi dans une des friperies qui est quand même assez populaire aux États-Unis. Pis ben, je pense que vous l'avez deviné et c'est magasiner chez Goodwill. C'est quand même une friperie assez populaire que je revois souvent sur YouTube. Fait que j'étais comme, ah, oh, ça pourrait être intéressant qu'une Québécoise aille chez Goodwill pour la première fois. Mais avant de passer à la vidéo, ben, dans le fond, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de contenu comme ça. À cliquer sur le thumbs up, pis dans le fond, ça, ça va juste m'encourager pis à me dire si vous aimez ce genre de vidéo-là. C'est tout simplement ça. Et finalement, à me dire dans les commentaires, toi, quel genre de friperie t'aimerais que je fasse genre un autre épisode genre de Trip with me ou magasiner en friperie avec moi. T'sais, dis-moi ça dans les commentaires pis ça va me faire plaisir de refaire un autre épisode de ça. Fait que je vais pas parler plus parce qu'on va s'entendre que quand une intro est trop longue, ça fait hein, s'il vous plaît. Fait qu'on va juste passer à la vidéo maintenant. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Fait dans le fond, aujourd'hui, je suis en Floride. Puis ben, comme vidéo aujourd'hui, c'est bien simple. On s'en va chez Goodwill, la friperie qui est comme assez populaire aux États-Unis. Puis ben, on va s'entendre, je suis une tripeuse de friperie. Fait que j'étais comme, c'est comme impossible que j'aille pas aux friperies. Fait qu'on va y aller, genre maintenant. Oh my god. Ça pourrait être mon kit de jardinage bientôt, hein? Mais que je sois bien, je vais venir ici m'acheter ça. Magnifique. Oh mon dieu, des pantalons pour moi. Oui. Oh my god, comment j'ai fait pour vouloir prendre ça? Ok, peut-être que le logo il était bien cute là, mais là... Non, non, il est pas bon. Nope, oui. Fait que pour celle-là, pour vrai, c'est vraiment pas si pire. J'aime bien la veste. Ok, elle est vraiment cute. Mais comme, elle est vraiment trop grande au niveau des manches, c'est comme un petit peu dégueulasse, t'sais. Si elle avait été, je pense, comme medium, ça aurait été top notch. Mais là, ça serait juste pour le style, genre, que je passerais ça. Fait que je pense pas que je vais l'acheter. Je suis vraiment triste, mais bon. Oh my god. Ok, j'adore ces shorts-là, c'est genre mes préférés. Waouh, waouh. Pour vrai, j'ai rien d'autre à dire à part j'aime puis je dois les acheter, c'est clair, à 100%. Oh my god, ok, prochain morceau. Ok, pour celui-là, pour vrai, je l'aime, mais je l'aime pas. Je suis comme pas certaine. Pour vrai, je suis vraiment pas certaine. Il est beau. C'est un beau petit polo Ralph Lauren, orange, différent. Oh my god, je sais pas. Aidez-moi. Pour cela, pour vrai, je suis vraiment pas certaine. Il est vraiment beau, de base. Mais j'aime pas vraiment le fait qu'il y a un col en V, genre au niveau ben, du col. Allô, Sarah Maud. Mais bon, fait que je suis pas sûre. Je vais le mettre dans le peut-être. C'est parce que j'ai comme trois colonnes. J'ai le oui, j'ai le non. Puis, ben, ok, ça foire un peu ma petite colonne de peut-être, oui, non, peut-être, on sait pas. Mais bon. On va passer au prochain morceau. Est-ce que le chandail pourrait arrêter de bouger, s'il vous plaît?
Merci. Bon, c'est un peu comme le chandail orange de tantôt. Je pense que j'aime mieux lui que le chandail orange de tantôt. Pour vrai, je pense que je l'aime bien mieux. Maman? Oui? Comment tu trouves ça? C'est correct. C'est correct. Tu le trouves beau? Ouais, ouais. Ouais, tu l'aimes-tu? Ouais. 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 Ça, je l'aime. Ça fait son look. Ouais, c'est bon. Ok. Merci. Attends, c'est pas focus. Oups. Maman, comment t'as trouvé Goodwill? Oh, super cool! J'aime ton sarcasme. Mais quoi, il y avait des belles trouvailles. Oui. Puis moi, ben, j'ai trouvé un livre d'adolescent. Oui, parce que t'es un adolescent encore dans ton cœur. Oui, mais ça va être plus facile à lire pour moi. Effectivement. Donc, après être revenue de friperie, ben là j'ai décidé de vous montrer mes vêtements, dans le fond, ce que j'ai acheté. Puis ben je pense que c'est assez évident ce que j'ai acheté parce que, ben c'est ça, là, je vais pas laisser de suspense pendant ma vidéo. Fait que je suis sûre à 100% que vous savez pas mal ce que j'ai acheté. Mais bon, je me suis dit que pourquoi pas le montrer pareil, on sait jamais. Peut-être que mon mystère était pas assez clair ou que c'était quand même assez mystérieux, mais bon. Bref, je vais vous montrer mes vêtements. Le premier morceau, c'est le hood Nike, qui est un peu... il était noir, mais là, il est un petit peu décoloré. Il est encore noir, mais il est un petit peu décoloré, mais j'étais comme... ça fait son charme, ça fait son goût vintage, que... c'est un bel achat. Le deuxième morceau, littéralement, là, c'est mon morceau préféré de tous mes achats en friperie. Pour vrai, je capote. Genre, depuis que je l'ai acheté, là, je le mets... tout le temps, ça a pas de bon sens qui... Bref, vous l'avez sûrement deviné, c'est les shorts de Tommy Hilfiger. Ouais, je suis tellement contente, ok, ça m'a coûté 3$, ils sont super belles, en bel état. Ok, j'avoue que la petite... je sais pas comment on appelle ça, là, mais la petite patch en arrière, le logo il est juste plus là. Mais ça fait son charme de vintage, puis ça a l'air vidéo, puis on aime ça, t'sais. C'est bien à la mode, hein. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est les belles petites shorts Tommy Hilfiger avec le petit logo sur les faufounes. C'est ça. Fait que je les aime bien. Puis ben, vu que pas rouler, ça a l'air bien, bien grand, ben j'y roule. Parce que sinon, ben j'ai l'air de ma grand-mère Gisèle. Puis c'est pas magnifique, hein, avoir l'air d'une grand-mère. On veut pas avoir l'air de ça. Je vais attendre à mes 80 ans. Mais pour le moment, non. Et finalement, le troisième morceau, c'est le petit t-shirt Ralph Lauren avec le petit logo vert. Bref, ce chandail-là, c'est un petit chandail basic. Fait que quand ça me tente d'être basic au cégep, je suis comme, je vais mettre ça. Donc c'est pas mal ça qui va conclure la vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Puis ben nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Salut!